Bonjour et bienvenue sur mes causeries avec Pascal Cazotte. Bonjour Pascal. Et bonjour Antoine. Alors ça y est, la Teams Miasme TV. Oh oui, il faut que les gens voient qu'on est habillés tous les deux pareils là. On a le polo Miasme TV là. Donc la Teams Miasme TV est de retour pour des causeries. Il y avait longtemps qu'on avait pas fait de causeries ensemble. Alors on s'est dit que pendant cet été, on allait revisiter l'ensemble des articles que tu as fait pour Génération Cité d'Or. Et puis on va commencer par le premier, hein, Génération Cité d'Or, qui était sorti en 2019, L'étrange forêt de Canuck Chase, où tu nous avais fait d'ailleurs un article assez terrible sur les cas de combustion humaine spontanée, qui sont pas des légendes, hein, parce qu'on va le voir ensemble pendant cette discussion. On a beaucoup de cas documentés dans l'histoire passée et même dans l'histoire présente. Et donc, dans les légendes urbaines, on dit que oui, c'est un effet bougie, c'est des personnes qui sont auto-brûlées, soit avec une cigarette, soit avec une bougie qui traînait, mais on va voir que c'est pas du tout ça. Et, absolument. Et tu vas nous apporter pas mal d'éléments de réponse. Mais on va essayer. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est une énigme assez terrifiante. Hein. Mais donc, c'est un phénomène qui est tout à fait réel et qui ne date pas d'hier, hein, puisque tu as déjà Lucrèce, qui était un philosophe et poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui évoquait déjà cette problématique des combustions humaines spontanées. Donc, il y en a toujours eu, hein, dans l'histoire. Et il y en a toujours, même encore aujourd'hui, qui se produisent. Alors, ça reste une énigme, quoique, bon, déjà, on va pouvoir invalider une explication qui a été donnée même par des scientifiques qui parlent de l'effet bougie, mais comme nous le verrons avec les cas que je vais rappeler ici, l'effet bougie, ça ne tient absolument pas la route. Hein. Donc, ça reste vraiment un mystère. Alors, on va commencer par évoquer des cas, et on va commencer par le premier cas historique. Alors, le premier cas donc historique, c'est celui de Nicole Millet. Alors, non, il y en a eu un précédemment dans l'histoire. Ah. Le tout premier enregistré, c'est celui de 1673. C'était une femme à Paris qui dormait sur sa paillasse, et une femme du peuple. Hein, et on a retrouvé que la tête et le bout de ses doigts. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Tout le reste du corps était réduit en cendres, mais on a retrouvé donc la tête et les bouts des doigts, c'est tout. Mais ça, c'est le premier cas référencé, le premier cas historique, donc de 1673, dans l'histoire de France. Hein, voilà. Alors après, bien sûr, t'étais pas loin, parce que le cas de Nicole Millet, il arrive, on va dire, presque juste après. C'était à quelle époque, ça? Alors là, on est au début du XVIIIe siècle, hein, enfin dans le premier quart du XVIIIe siècle. C'est effectivement un cas qui est très très bien documenté, parce qu'il y a eu en plus un procès, hein, à l'époque, hein, parce qu'on pensait que c'était le mari qui avait tué sa femme, hein, le pauvre homme, il était pour rien. Donc tout s'est passé dans une auberge à Reims, dans la nuit du 19 au 20 février 1725. Alors, tu as cette Nicole Millet qui se relève dans la nuit pour aller chercher une bouteille d'alcool, parce que cette pauvre femme, elle est devenue alcoolique, hein, donc elle a besoin de la dive bouteille, comme l'on dit. Et donc, elle se relève dans la nuit pour aller chercher dans la cave donc une bonne bouteille, et elle se met à boire dans son fauteuil devant sa cheminée, voilà. Et puis, on imagine que l'alcool aidant, elle s'endort donc dans son fauteuil. Toujours est-il qu'à 2h du matin, son mari, lui qui était resté à l'étage, qui était en train de dormir, est réveillé par une odeur pestilentielle. Alors, il s'inquiète, puis sent en plus une odeur de brûlé, il se dit, il faudrait pas qu'il y ait le feu à la cuisine, tout ça, alors il descend vite. Alors là, c'est la vision de cauchemar. Parce que devant le fauteuil, qui est désormais vide et qui se trouve à peine roussi, le fauteuil, ça il faut bien le noter, se trouve au pied de ce fauteuil donc un énorme tas de cendres, avec les deux jambes de sa femme qui sont restées intactes,
mais tout le reste est parti en cendres et on ne trouve plus qu'un morceau de crâne et quelques vertèbres au milieu de ce tas de cendres. Alors, il va être accusé, le pauvre homme, d'avoir voulu tuer sa femme et d'avoir essayé après de la brûler dans la cheminée, hein, pour faire disparaître le corps. Et il va être même condamné à mort. Et heureusement, il y a un étudiant en médecine qui est mis au courant de cette affaire, qui va aller étudier sur place et puis il va faire deux constatations. Première constatation, il est impossible de calciner les os jusqu'à les rendre au niveau de cendres avec un simple feu de cheminée. Parce qu'il a fallu porter le corps de telle température, c'était impossible qu'un simple feu de cheminée ait réussi à faire ça. Ensuite, tout autour de la pièce, tout le mobilier qui se trouve dans la pièce est rigoureusement intact. Donc, si on s'était amusé à faire brûler un corps de cette façon, ça aurait immanquablement effleuré au moins quelques meubles, il y aurait eu des traces d'incendie, des choses comme ça, rien, absolument rien. D'ailleurs, on avait mis une photo dans le magazine, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça, c'est une pièce qui a subi un incendie, c'est-à-dire effectivement il y a le feu qui s'est propagé sur le lit, puis après un petit peu partout, sur les murs, etc. Alors que dans le cas des combustions humaines spontanées, la combustion, tout reste intact, c'est que la personne qui... Oui, oui, absolument. Si on va trouver par exemple le fauteuil ou la chaise sur laquelle la personne qui a subi la combustion spontanée se trouvait, qui va être un petit peu roussie, voire brûlée, mais tout le reste après autour reste intact. C'est ça qui est étrange. Surtout quand tu sais que les températures sont extrêmes pour arriver à une telle calcination. Parce que la plupart du temps, on ne retrouve qu'un tas de cendres et même les os. Donc, les ossements, pour les réduire à un tas de cendres, il faut des températures qui dépassent les 1600 degrés, tu imagines? Et donc, c'est complètement incompréhensible hein, que tout se reste intact autour, mais c'est comme ça. Ça fait partie justement des caractéristiques des combustions humaines spontanées. Hein, voilà. Alors après, on a un autre cas qui est vraiment un cas d'école et qui est arrivé toujours au XVIIIe siècle. Là, nous sommes en Italie, dans la ville de Cesena, où vivait une comtesse, la comtesse Cornelia di Bandi. Et cette pauvre femme, qui était alors âgée de 62 ans, on est au soir du 4 avril 1731, et elle prend comme tous les soirs sa tisane en compagnie de sa femme de chambre. Bon, et puis sa femme de chambre la quitte toujours de façon coutumière à 22 heures. Et elle a pour habitude, cette femme de chambre, d'aller réveiller la comtesse tous les matins à 8h30. Elle frappe à la porte de la chambre, pas de réponse. Et donc elle se décide à ouvrir la porte, elle rentre dans la chambre et là, c'est la vision d'horreur. Puisque le corps de la pauvre comtesse di Bandi est calciné. Alors, on a là ce qui est très intéressant dans cette affaire en plus. Parmi tous ceux qui sont venus pour voir le corps calciné de la comtesse, il y avait son confesseur qui est le révérend Joseph Bianchini qui nous a laissé un rapport circonstancié très précis. Et je vais lire un extrait parce que c'est vraiment typique des combustions humaines spontanées. Alors voilà ce qu'il nous dit, ce révérend. À deux pas du lit, il y avait un tas de cendres, deux jambes intactes, du pied au genou et encore couvertes de leurs bas. Entre elles était la tête de la dame. Alors oui, parce que la tête était tombée, elle devait s'apprêter à aller dans son lit et la combustion humaine a été très très rapide et elle s'est retrouvée, elle a la tête qui est tombée après entre les jambes quand le corps s'est effondré. Hein, voilà. Alors donc, je reprends la lecture. Entre elles était la tête de la dame, dont la cervelle, la moitié de l'arrière du crâne et tout le menton étaient calcinés. Parmi ces restes, on trouve trois doigts noircis. Tout le corps n'était que de la cendre, une cendre qui avait la particularité d'être grasse, poisseuse, nauséabonde. Dans l'air de la chambre flottait un nuage de particules de suie. Une petite lampe sur le plancher était couverte de cendre, mais elle ne contenait plus d'huile. Sur la table, dans deux chandeliers, on voyait deux chandelles bien droites, dont il ne restait plus que la mèche. Le suif avait disparu. Un peu d'humidité collait au pied des chandeliers. Le lit était intact.
Les couvertures et les draps étaient seulement rejetés de côté. Tous les meubles, de même que le lit, étaient recouverts d'une suie collante, d'un gris de cendre qui avait pénétré jusque dans les tiroirs d'une commode et sali le linge. Chose remarquable, le plancher de la chambre se trouvait enduit d'une humidité gluante en couches si épaisses qu'on ne parvint pas à l'enlever, et la puanteur gagna de plus en plus les autres pièces. Voilà, donc ce qu'il nous décrit là, c'est vraiment très très caractéristique des combustions humaines spontanées. Et d'ailleurs, l'enquête qui a eu lieu déjà à cette époque, n'oublions pas que nous sommes au XVIIIe siècle, le commissaire Antonielli à l'époque a conclu de lui-même que ce feu mystérieux s'était allumé spontanément dans la poitrine de la comtesse. Donc déjà, il avait compris ce qui s'était passé, le processus qui s'était produit. Hein. Au XVIIIe siècle, c'est déjà très 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 bien d'avoir d'être parvenu à de telles conclusions. Hein. Alors pour nos auditeurs là, qui souhaiteraient en savoir plus sur ce rapport, on avait retrouvé eh bien le rapport qui est consultable sur Internet. Et alors pour ceux qui ne le sauraient pas, vous savez, dans le magazine, on met des, ce qu'on appelle des QR codes. Hop, il est ici. Voilà, vous pouvez le flasher si vous voulez. Et ça va vous ouvrir directement sur le rapport. Alors, il est en italien, donc pour ceux qui lisent l'italien dans le texte, ça sera plus facile. Mais voilà, il y a vraiment des traces, des preuves. Et puis, encore une fois, dans tous ces documents qui sont anciens, on n'est pas dans le buzz, il n'y a pas de fake news. Ils ont vraiment une démarche qui est de où ils sont dans l'observation, ils décrivent exactement ce qu'ils ont observé, et ils ne sont pas là à essayer de trouver des conclusions qui pourraient faire le buzz. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir se référer à ces textes anciens. Alors, on va passer après à une autre époque, hein, puisque là on aborde le 19e siècle. Et là, c'est pareil, on a des cas qui sont très intéressants. Bon, je ne peux pas tout rappeler, parce que il faut savoir que entre le premier cas historique que j'ai cité tout à l'heure et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quand même plusieurs centaines de cas de combustion spontanée, hein, à travers le monde, ce qui est déjà pas mal. Ça reste un phénomène rare, mais il y en a suffisamment de cas pour qu'on puisse s'intéresser, bien sûr, à cette problématique. Alors, donc au XIXe siècle, j'ai trouvé le 19 février 1888, enfin c'est la date où ça s'est passé, là on a le cas d'un vieux soldat britannique qui est allé dormir dans un grenier à foin. Et le lendemain, on a retrouvé son corps sur la paille entièrement calciné. Son corps était calciné. Par contre, la paille en dessous était intacte, elle n'était même pas roussie. Alors quand tu sais la température qu'il faut pour calciner un corps intégralement, tu ne comprends pas comment la paille n'a pas pu brûler, parce que un feu de paille, c'est très facile à enclencher. Et là, intact. Donc c'est vraiment incroyable. Alors après, je passe au XXe siècle et j'ai noté un cas qui s'est passé en Inde, dans la ville indienne de Dinapore, le 13 mai 1907. Alors là, des policiers ont été appelés pour aller relever le corps calciné d'une indienne qui avait dormi dans sa chambre à coucher. Alors, ce cas est aussi très intéressant. Pourquoi ? Parce que le corps était entièrement calciné. D'ailleurs, il était encore un petit peu fumant, hein, lorsqu'ils sont venus le récupérer. Mais les habits de la défunte étaient rigoureusement intacts. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Corps calciné dans des vêtements intacts. Et je citerai un autre cas tout à l'heure qui va dans ce sens-là aussi. Alors après, on a le cas le plus typique, hein, je pense, des cas de combustion humaine spontanée. C'est celui de Mary Reeser, une habitante de Saint-Pétersbourg en Floride, et ça se passe en 1951. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était le matin du 1er juillet 1951. Sa propriétaire était venu tôt le matin pour lui apporter un télégramme. Elle frappe à la porte, aucune réponse. Alors, elle veut ouvrir la porte pour savoir si la porte était ouverte, et là, elle se brûle la main en touchant la poignée de la porte qui était brûlante.
Et en même temps, elle sent une odeur de cramer. Elle se dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, elle prend peur et elle appelle le secours. Elle appelle les pompiers, bien sûr, mais pour aller plus vite, elle va chercher deux ouvriers qui travaillent sur un chantier à côté. Et eux, ils parviennent à ouvrir la porte. Et alors là, c'est pareil, c'est la vision d'horreur. Hein, parce que ce qu'on a retrouvé de Marie Reiser, qui était âgée de 67 ans, sur les restes de son fauteuil, qui est un peu brûlé là, quand même, son fauteuil, elle était assise donc sur son fauteuil lorsque ça s'est arrivé, cette combustion spontanée. On a retrouvé donc un pied gauche, un fragment de colonne vertébrale et sa tête carbonisée, mais alors réduite à la taille d'une balle de tennis. Alors ça, c'est complètement inexplicable aussi, parce que on a ce cas d'ailleurs qui a été étudié par le docteur Wilton Krogmine, qui est un spécialiste de la mort par le feu. Et voilà ce qu'il nous dit, hein, ce docteur. Il nous dit, c'est la chose la plus stupéfiante que j'ai jamais vue. Je ne peux pas imaginer une crémation aussi complète sans plus de dommages à l'appartement lui-même. Je n'ai jamais vu non plus de crâne humain ainsi réduit par une chaleur intense. Le contraire a toujours été vrai. Les crânes ont soit anormalement grossi, soit virtuellement explosé en 100 morceaux. Donc, il ne comprend pas. C'est vraiment incompréhensible et pourtant, il n'a pu que constater ce qui s'était passé. Et de son côté, par contre, le médecin légiste, il a établi que la température du corps avait dû s'élever à 2500 degrés pour arriver à une telle calcination. 2500 degrés, c'est pratiquement inconcevable, une telle température. Alors, toujours pareil, tout est resté intact dans l'appartement, sauf que, bon, le fauteuil quand même, il a été pas mal brûlé. Le tapis qu'il y avait sous le fauteuil, il avait aussi une trace de brûlure. Mais tout le reste était intact. Et surtout, il faut savoir qu'à 30 cm du fauteuil, il y avait une pile de journaux. Ils auraient dû s'enflammer. Ils étaient intacts. Donc là, c'est aussi complètement incompréhensible. Par contre, la chaleur était telle, au moment où ça s'est produit, que les interrupteurs électriques en plastique ont fondu. Voilà. Pourtant, ils étaient plus éloignés Ah oui, de parce la que... victime que les Ouais. journaux. Les journaux n'ont pas brûlé, mais le Voilà. plastique a fondu, Mais quoi. les interrupteurs en plastique dans toute la pièce ont fondu. C'est fou, hein? D'accord. Voilà. Donc c'est le fameux cas de Marie Louiseur que tout le monde connaît, enfin tous ceux du moins qui s'intéressent au phénomène des combustions humaines spontanées. Voilà. Alors on reste toujours au XXe siècle avec le cas du docteur John Bentley. Alors, je crois que. Hop! Ah, on a les photos des restes du docteur. Ah, Oui, tout à fait. c'est ça. C'est ça. Voilà ce que ça donne. Là, pour le coup, c'est encore plus documenté parce qu'on a la photo. C'est effrayant. Oui, c'est effrayant, c'est effrayant. Donc, on est le 15 décembre 1966. Le docteur John Bentley, qui a 93 ans, il est à la retraite déjà depuis un certain temps et il vit seul donc dans sa maison. Et donc, ce fameux 15 décembre 1966, tu as l'employé de la compagnie du gaz qui vient relever le compteur, hein, comme il fait régulièrement. Il frappe à la porte, pas de réponse. Mais il essaye d'ouvrir la porte était ouverte, alors il rentre. Et comme il sait où se trouve le compteur du gaz, il se permet de descendre à la cave. Mais alors déjà, en descendant l'escalier, il voit comme une sorte de fumée bleutée, et puis une odeur qui est vraiment pas agréable du tout, hein. Et arrivé dans la cave, il se heurte déjà à un tas de cendres qui fait 1 mètre de diamètre et 10 cm d'épaisseur. Ça fait pas mal. Mais il n'en fait pas qu'à, il shoote dedans hein, pour avancer jusqu'au compteur. Et puis, bon, il fait son travail, il relève le compteur, et après, il remonte l'escalier, et puis, arrivé donc dans le couloir, et il sent encore cette odeur. Et puis, il voit encore des fumerolles bleutées. Il se dit, mais il faudrait pas qu'il soit arrivé à un accident, ce pauvre docteur. Et comme il savait que c'était un grand fumeur et qu'il fumait la pipe, il aimait fumer la pipe en lisant dans ses bibliothèques, il va dans la bibliothèque. La bibliothèque, il n'y a rien, il ne trouve pas le docteur. Et la pipe, par contre, repose sur une table basse, donc le docteur n'est pas là. Mais il semble que les fumées proviennent davantage de la salle de bain. Donc, il se permet d'entrer dans la salle de bain et c'est alors là, encore une fois, la vision d'horreur. Il y a le déambulateur devant le lavabo.
Le déambulateur doit observer ce médecin. Un trou sous le déambulateur, si bien que le déambulateur est en équilibre, parce que le plancher en dessous, il a brûlé quand même. Et on trouve donc une demi-jambe du docteur. Voilà. Ouais. Et alors là, c'est pareil, le médecin légiste est arrivé à la conclusion que tout s'était passé comme si le feu s'était déclenché à l'intérieur du corps. Voilà. Donc là aussi, on reconnaît la combustion humaine spontanée, hein, le cas du docteur Bentley. Alors, on a aussi, toujours au XXe siècle, un cas qui est très intéressant. Là, on est à Londres et ça s'est passé le 13 septembre 1967. Il est intéressant parce que il y a eu des témoins là à la combustion humaine spontanée. Donc ça c'est très rare hein, parce que généralement ça arrive à des personnes seules sans témoins. Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais là ce cas il est formidable parce que les pompiers sont arrivés alors que la combustion venait juste de commencer quoi en quelque sorte. Donc nous sommes à Londres. Il y a une maison qui est vide, plus ou moins abandonnée, et les voisins sentent qu'il se passe un problème, ils ont peur qu'un incendie se soit déclenché à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les pompiers. Les pompiers qui étaient peut-être sans doute à côté, enfin, du moins, ils arrivent immédiatement, c'est très rapide. Ils entrent dans la maison et là, qu'est-ce qu'ils voient? Dans l'escalier, ils voient un homme qui est en train de brûler. Et c'est un SDF, un homme âgé qui squatte la maison. Hein, et il est affalé sur l'escalier. En même temps, il s'accroche à la rampe de l'escalier. Il mord d'ailleurs tellement qu'il souffle la rampe de l'escalier. Et il voit sur son abdomen une fente d'environ 10 cm d'où s'échappent des flammes, mais d'une vivacité incroyable. Un peu comme ferait un chalumeau, tu vois. Ce sont des flammes très puissantes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent directement la lance d'incendie sur l'abdomen du SDF, mais ils n'arrivent pas à éteindre le feu, ils n'y arrivent pas. Ils vont finalement y arriver, mais au bout d'un certain temps, et c'est assez incroyable qu'avec une lance d'incendie, ils ne soient pas arrivés, mais de suite, ils ont mis du temps pour éteindre. Alors bien sûr, l'homme est mort entre-temps, hein, et ils ont besoin d'ailleurs d'une barre de fer pour desserrer les mâchoires du défunt qui serrait encore la rampe d'escalier. Donc là, on a un cas devant témoin. Alors, il y en a eu d'autres, d'ailleurs, des cas devant témoin. Bon, je ne vais pas tous les rappeler, mais je sais que toujours aux États-Unis, il y a une femme qui s'est enflammée dans un bois et elle était toute seule. Elle appelait au secours et un professeur qui passait par là, qui était aussi en train de se promener dans ce bois, l'a vue recroquevillée sur elle-même et brûlée au niveau du thorax, etc. Les flammes aussi derrière les épaules et il n'a rien pu faire, bien sûr. Et on a eu aussi le cas, alors ça s'est passé dans les années 80, je m'en souviens, c'était à Londres, dans un lycée technique, une jeune fille de 17 ans qui parle à ses camarades dans le couloir de l'établissement et d'un seul coup, elle se met à s'enflammer. Alors de suite, comme il y avait du monde autour d'elle, ils arrivent à éteindre le feu, mais arrivés à l'hôpital, ils n'ont rien pu faire pour elle. Au bout de 15 jours, elle était morte. Voilà. Mais ce sont des cas incroyables. Et donc, en plus, on a des témoins qui voient le corps s'enflammer, mais brutalement, comme ça, d'un coup. C'est fou. C'est complètement fou. Oui, et puis, si les flammes viennent de l'intérieur, c'est pas effectivement en arrêtant le feu sur les vêtements, ça. En plus, ça vient encore démolir la thèse de l'effet bougie. Parce que l'effet bougie, qu'est-ce que c'est d'après ceux qui ont mis cette thèse en avant? Ils ont expliqué que, en fait, la graisse humaine pouvait se consumer comme la cire d'une bougie et le feu était provoqué par l'événement qui prenait feu, en fait. Voilà. Mais là, on voit que c'est même pas les vêtements qui sont la cause du feu. Donc, voilà. Oui, il y a aussi d'autres cas qui ont été recensés en France. On les passera très rapidement. Je vais juste les citer. Hein. En 71, il y a le cas de Léon Éveillé, voilà, qui a été découvert dans sa Simca 1000. Et, oui. Et les vitres de la voiture avaient fondu. Ouais. Donc, pour que les vitres fondent, il fallait que ça soit porté à une température aussi incroyable. Mm-mm. En 77, il y avait le cas d'Alain Kazmierczak, voilà,
qui est décédé en Meurthe-et-Moselle. Il y en a un autre cas qui a été recensé en France, c'est en 82, c'est le cas de Monsieur Tomaszewski Oui, tout à à fait. Autun. Voilà. Absolument. Bon. C'est pour ça qu'on va, on va pas tous les passer en revue, parce Il que y en a sinon trop, il y en a trop. Par on contre, ceux qui n'ont pas lu l'article dans le magazine, ils peuvent encore commander le PDF, je crois, sur le site. Exactement, d'ailleurs, on fait une promotion, on fait une offre découverte hein, pour 4 euros au lieu de 5 euros pour découvrir le numéro 1 de Génération Cité d'Or en PDF. Ce numéro 1, numéro 2 sont épuisés, donc vous ne pouvez les avoir qu'en PDF. Et effectivement, voilà, vous retrouverez l'ensemble des cas que Pascal avait étudiés dans le magazine. Voilà. Alors, pour revenir donc du coup à cet effet bougie et finalement à la conclusion de la raison des combustions humaines spontanées, pour toi, t'as une piste. Oui, j'ai une piste, mais est-ce qu'il faut la dévoiler? Mais oui, tu peux. Oui, si, on va quand même dire deux mots là-dessus. Mais avant, je voudrais revenir sur l'effet bougie, parce que quand on t'explique que les vêtements servent en quelque sorte de mèche hein, pour allumer la graisse humaine, il y a un cas que j'avais noté très, très intéressant qui avait été relevé dans le British Medical Journal du 21 mars 1891. Il parlait donc à l'époque du cas d'une femme qui avait subi une combustion humaine spontanée, donc, dont les jambes étaient entièrement carbonisées à l'intérieur de ses bas, et les bas étaient intacts. Non, mais c'est incroyable, voilà. Donc l'effet bougie, ça peut pas, c'est pas logique, quoi. Ça peut pas correspondre, hein. Ce n'est pas possible, voilà, tout simplement. Et puis surtout, en plus, un effet bougie, ça veut dire une combustion lente. Et les combustions, elles se produisent des fois en quelques minutes, hein. Et en plus, ça n'atteindrait jamais les températures que j'ai citées. 1600 degrés, 2500 degrés, c'est impossible. L'effet bougie ne peut pas produire de telles températures. Voilà. Donc, il faut invalider, bonne fois pour toutes, cette théorie fumeuse, sans jeu de mots. Voilà. Alors oui, donc moi, ce que j'avais pensé, en fait, ce n'est qu'un début de piste. Après, il faudrait creuser hein, là-dessus. Mais j'avais pensé à la Kundalini, parce que la Kundalini, c'est une énergie qu'on aurait en nous, si tu veux, qui se trouverait à la base de notre colonne vertébrale et qui pourrait se réveiller et créer peut-être ce phénomène, parce qu'il faut une énergie considérable. Mais on connaît encore très mal, en fait, nos capacités, notre corps, et si cette énergie existe bel et bien, elle pourrait être à l'origine de ça. Alors, il y a quelqu'un qui avait, je sais, expérimenté un effet de Kundalini. Il avait ressenti au-dessus du plexus solaire comme une goutte de lave, donc quelque chose d'une chaleur incroyable, au-dessus du plexus solaire qui le brûlait à l'intérieur, mais terriblement, hein. Alors peut-être que si c'est allé plus loin, peut-être que ce pauvre homme aurait subi effectivement une combustion humaine spontanée, va savoir, hein. Voilà, donc c'est la Kundalini. C'est la seule piste que j'ai trouvée. Hein. Maintenant, bon, peut-être qu'on trouvera autre chose dans le futur, je n'en sais rien. Ou peut-être qu'on, ou peut-être au contraire qu'on la validera, cette théorie, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, l'effet bougie, non, ça c'est sûr. Il faut trouver autre chose. Et moi, j'avais pensé à la Kundalini, voilà. C'est vrai que moi j'avais une autre théorie qui est différente, hein, mais pourquoi pas? Mais alors, il n'y a aucune preuve bien sûr là-dessus. Tu sais qu'il y a des milliers de disparitions dans le monde chaque année. Il y a des suspicions. Là aussi, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça fera peut-être l'objet d'un autre débat ailleurs. Il y a des suspicions de trous de ver microscopiques comme ça qui se créeraient un petit peu partout et qui, eh bien, tout simplement, absorberaient, feraient passer les personnes dans un ailleurs, une autre dimension, qu'importe, ou un autre espace-temps. Et forcément, ces trous de ver, ça génère une énergie qui est tellement importante qu'il y a de très fortes chances que ça se passe très mal pour les personnes et victimes hein, qui passeraient de l'autre côté et qui
ont de très fortes chances de ne pas survivre à ça. Et pourquoi pas générer une combustion humaine spontanée, ce qui pourrait expliquer bien, tu vois, le cas de la tête qui s'est réduite, pourquoi pas, plutôt que, qu'exploser, le cas de combustion à l'intérieur de vêtements, et les vêtements ne brûlent pas, parce que du coup c'est le corps qui switch. Bon. Ça pourrait être une hypothèse aussi intéressante à étudier, mais la Kundalini est aussi une très bonne, aussi une très bonne hypothèse. Enfin, en ce qui me concerne, moi, je n'ai trouvé que ça. Donc, c'était pour moi le plus logique. Mais après, bon, comme je te disais... On lance le débat auprès de nos amis mis. Voilà, si vous avez vos propres hypothèses sur les cas de combustion humaine spontanée, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à nous partager, et puis on évoluera le sujet, on fera évoluer le sujet s'il y a vraiment des hypothèses très intéressantes et qui tiennent bien la route. Déjà, l'important, de toute façon, c'est de reconnaître la réalité du phénomène. Voilà. Donc, je crois que j'ai cité suffisamment de cas déjà pour que les gens se rendent bien compte que c'est un phénomène qui existe. Et malheureusement, ça reste une énigme, voilà. Mais c'est, on ne peut pas nier la réalité du phénomène, ça c'est clair. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus une légende urbaine. Tout à l'heure, j'ai employé le terme à Essian de légende urbaine. Aujourd'hui, ce n'est plus une légende urbaine, ça a été quand même bien documenté, bien démontré. Voilà, ce qui reste, c'est le mystère de la raison de cette combustion spontanée. Le pourquoi, voilà. Aujourd'hui, on ne le sait pas, mais on est ouvert, encore une fois, à toutes vos suggestions si vous avez des pistes de recherche sur le sujet. Bon, mais Pascal, ben, je te remercie. Mais de rien, avec plaisir. Un très beau sujet. Donc, je vous le rappelle, vous retrouverez ce sujet dans Génération Cité d'Or numéro 1 en PDF. Le lien est dans la description de la vidéo. Et puis, on va essayer, là, pendant cet été, et puis peut-être un peu plus loin que l'été, de repasser comme ça tous les sujets de Pascal de Génération Cité d'Or. Vous les refaire en vidéo, histoire de vous donner envie de lire ce magazine qui est juste fantastique. Ça représente déjà pas mal de sujets, hein. Oui. Ouais, parce qu'on est déjà au numéro 9, donc... Ça, on y sera peut-être jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Ok Pascal, et eh bien merci. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Et puis voilà, retrouvez-nous toutes les semaines sur Miasme TV et puis sur générationcitédor.com. Ciao, ciao. Salut Antoine, à la prochaine.